Voici l'histoire de Fabienne. Fabienne a grandi dans un foyer où l'esprit de famille est essentiel. De confession juive, elle a été élevée dans la foi et les traditions au sein d'une famille aimante et soudée. Pourtant, à 36 ans, le monde de Fabienne s'écroule. Elle découvre brutalement que ses parents lui cachent depuis toujours un lourd secret. Un secret qui va tout remettre en question. Je me mets à hurler, mais hurler quoi. Je me suis mise à hurler, je me suis levée, j'ai balancé mon téléphone à travers la pièce. Je suis sortie vite respirer parce que je commençais à avoir des palpitations quoi. Je savais plus où j'habitais, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque à mon tour, hein. J'étais vraiment pas bien. J'ai vu quelque chose qui m'a sidéré. Je n'ai plus rien faire, je suis simplement... je me suis retiré dans la salle de bain et j'ai pleuré. Fabienne a grandi à Melun, en banlieue parisienne, dans les années 70. Sa famille, d'origine modeste, a été rapatriée en France en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie. Avec son frère Michael et ses parents, ils forment un clan soudé et complice. Mes parents sont nés donc en Algérie, donc ce sont des pieds noirs. Ma mère est née, je crois, à Sétif, et mon père à Tizi Ouzou, en Kabylie. Ils sont de religion judaïque. On habitait dans un immeuble en banlieue parisienne, à Melun, où il y avait donc ma tante, mon oncle, mes cousins, cousines. Pendant des années, j'ai partagé ma chambre avec mon frère, puisqu'on hébergeait ma grand-mère avant qu'elle habite à côté de chez nous. C'est une famille très unie, protectrice, voire surprotectrice. Je pense que comme toutes les familles juives déracinées en fait, de l'époque, on avait besoin de se retrouver en famille. Et c'est pour ça que culturellement, bien évidemment, on se retrouvait le vendredi soir. Il faut savoir que nos parents nous avaient inscrits au Talmud Torah, donc c'est l'équivalent, on va dire, du catéchisme. Donc c'est à la fois pour comprendre la religion, mais c'est surtout pour créer une identité juive. Alors moi, ça me plaisait beaucoup, donc ces repas de famille, toutes les manifestations qu'on avait pour le côté fête. Mais c'est vrai que je me retrouvais souvent seule, quand même, dans ces réunions de famille. Je me sentais un peu à part. Pourquoi, je savais pas, mais j'étais pas forcément entourée. En fait, le frère de Fabienne, il avait ouvert le chemin, un chemin assez modèle. C'était un peu le petit garçon dont tout le monde avait rêvé. Fabienne, c'était un petit peu le... Ouais, on peut dire le vilain petit canard, qui n'était pas finalement sur les chemins de son frère. Mon frère, dans ma famille, c'était mon pilier. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Toujours là, quand j'ai besoin de lui, on était vraiment très fusionnels. On dormait dans la même chambre jusque très très tard. On discutait des heures, il était toujours à prendre soin de moi, à l'écoute, à me faire faire mes devoirs. C'était fusionnel, voilà, c'était mon frère. Ah, ils s'entendaient à merveille. Je pense que tous les frères et sœurs, je ne sais pas s'ils s'entendaient aussi bien. Ah, ils se partageaient tout, ils avaient beaucoup de complicité ensemble. C'est donc entouré d'une famille croyante et choyée par ses parents que Fabienne grandit. Pourtant, malgré une complicité évidente avec son frère, Fabienne se sent différente. On ne se ressemblait pas. Voilà, puisqu'en fait, petite, elle était très blonde.
Et moi, pas du tout. Et donc, effectivement, c'était même vis-à-vis des camarades de classe, c'était un petit peu étonnant. Et ce thème revenait de temps en temps. On disait, mais est-ce que vous êtes vraiment frère et sœur ? Elle, elle posait des questions parce qu'elle était blonde par rapport à Michael. Et moi, je lui disais toujours, bon, tant qu'elle ne me posait pas d'autres questions, je lui ai toujours dit que mon père était blond aux yeux bleus, ma belle-mère blonde aux yeux bleus, donc ça ramenait des antécédents de la famille. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Je le sentais. Il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était pas logique. Il n'y avait pas que les cheveux, les yeux, il y avait la forme du nez, le physique. Il y avait trop de choses qui clochaient. À l'époque, ce sentiment, cette impression diffuse, est renforcée par un cauchemar étrange, comme une obsession. Une vision qui chaque nuit hante le sommeil de Fabienne. Un mauvais rêve dont la jeune fille ne parvient pas à s'expliquer l'origine. Ce cauchemar, je me vois enfant, je sais que c'est moi et je suis avec trois femmes, donc devant une maison, on est devant un mur, je sens que c'est un moment qui est très important, très solennel, je sens qu'il se passe quelque chose de très grave à ce moment-là, entre ces femmes qui ont l'air d'être toutes d'une génération différente, habillées tout en noir, couverte avec un fichu. Alors, est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'est une scène réelle de ma vie? J'en sais pas plus que ça. Mais c'est quelque chose qui me quittera pas. Tiraillée par ses angoisses nocturnes, mal à l'aise auprès des siens, Fabienne se cherche. L'éducation stricte et religieuse que lui donnent ses parents n'arrange rien. Fabienne étouffe. Plus elle grandit, moins elle se sent à sa place. J'ai arrêté d'aller à la synagogue tous les vendredis soirs. Je ne suis plus allée à toutes les réunions familiales forcément habituelles. J'en avais pas envie, je n'y allais plus, je ne me forçais pas. C'était quelque chose qui était comme ça. Et puis voilà, j'essayais de m'ouvrir à d'autres choses et d'aller chercher plus d'amis. J'aimais pas rester seulement dans le milieu juif. Je m'ouvrais à plein d'autres cultures, quoi. Elle avait besoin de sortir, d'être avec les copains, les copines et tout le bazar. Voilà, elle était comme ça, c'était son caractère. Elle était un peu rebelle parce que des fois, vous savez, on l'empêchait de sortir le soir ou des trucs comme ça. Alors des fois, ça arrivait qu'en tant que mère et père, on ne la laissait pas faire tout ce qu'elle voulait. Hein. Je leur en ai fait voir parce que pour eux, le regard de la famille est très important. De la communauté aussi juive de la ville où nous sommes, qui n'est pas très grande. Et les gens me voient. Les gens me voient sortir, avec qui je suis, ce que je fais. Et ça leur revient aux oreilles. Et ils le vivent très, très mal. Et forcément, quand je rentre, j'ai forcément le droit régulièrement à des reproches. Mais tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'on va penser de nous? Et c'est quelque chose qui me passe complètement au-dessus. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Tant pis les petites engueulades, tant pis les petits conflits. Moi, ça me plaît. Nous sommes en 1991. Fabienne a 20 ans. Sa soif d'indépendance et de liberté est intacte. Alors, pour s'affranchir de cette famille dans laquelle elle ne se reconnaît pas, Fabienne va très vite prendre son envol. Donc j'ai 20 ans, je rentre d'une journée shopping absolument géniale. Donc je suis à la gare de ma ville et je prends le bus avec mes paquets. Et au bout, je vois un grand jeune homme d'origine antillaise. Je ne sais pas pourquoi, j'y vais, je m'assois à côté de lui avec mes paquets et j'entame la conversation. Et très très vite, on décide de se revoir. Donc dès le lendemain, on échange nos numéros. Et voilà, donc on se voit, on se rencontre, on fait beaucoup beaucoup de sorties, donc on devient très très rapidement amoureux.
Fabienne a voulu vraiment prendre son indépendance et a voulu vivre avec une personne que mes parents n'approuvaient pas, on va dire. Et donc, elle a vécu son histoire, hein, librement. Et bien sûr, ça a posé des problèmes au sein de la famille, oui. Mais moi, plus je vais dans cette relation, plus je suis amoureuse et plus ça devient sérieux, puisqu'un jour, j'apprends que je suis enceinte. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, chez nous, ça se passe pas comme ça. C'est quoi ça, cette histoire? Chez nous, on se marie et après, on a les enfants. On fait pas la charrue avant les bœufs. Alors, elle m'a répondu, elle m'a dit, oui, mais maintenant, c'est trop tard. Je suis enceinte et tout. Et moi, je savais pas comment faire. Ça m'a dramatisée. Je le vis super mal, quand même, de vivre une grossesse seule, parce que c'est quand même seul. Parce que j'ai plein de questions à poser à ma mère. Donc j'accouche de ma petite fille. Et puis finalement, c'est ma relation avec le père de ma fille qui se dégrade. Et à un moment donné, je suis obligée de le quitter. Seule avec sa fille, Fabienne retourne vivre chez sa mère. Une période pendant laquelle les deux femmes nouent une complicité nouvelle. Quelques mois plus tard, Fabienne rencontre Christophe, son futur mari. Le couple s'installe dans le sud de la France. Fabienne semble moins tourmentée, mais un événement va faire ressurgir ses interrogations. Je travaillais sur Paris et comme tous les soirs, mon père venait me chercher à la gare. Et ce jour-là, j'étais surpris parce que mon père m'a dit qu'il ne pouvait pas prendre le volant, il ne pouvait pas conduire. Alors là, j'ai demandé ce qui se passait et il m'a parlé d'une douleur du côté gauche, d'une douleur au bras. Donc j'ai relativement vite compris que ça pouvait être grave. Ils sont venus à la maison et moi, quand ils sont venus, ils étaient tout blancs. Et moi, en leur ouvrant la porte, j'ai cru qu'ils avaient eu un accident. J'ai dit, vous avez eu un accident, vous avez eu quelque chose? Il me dit non. Il me dit, mon fils, il me dit, allonge vite papa. Alors moi, j'ai allongé mon mari, il s'est allongé. Il m'a dit surtout, tu ne donnes pas à boire. J'ai dit, bon, je ne donne pas à boire. J'ai dit à ma mère d'appeler le SAMU. Sur le coup, effectivement, elle était un petit peu interloquée. Quand il a vu mon mari comme ça, il a eu très peur. Ça, c'est vrai. Il a eu très peur lui-même. Parce que lui, il a su qu'est-ce que c'était. Mais moi, j'ignorais. Moi, je pensais qu'il avait joué aux boules, qu'il était fatigué des boules. C'est tout. Et quand il m'a dit j'appelle SAMU, moi j'ai dit écoute, tu vas pas nous emmener SAMU et pompiers, papa, c'est rien du tout. Mais il m'a dit non, c'est grave. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et les pompiers l'ont emmené tout de suite. Et donc quelques dizaines de minutes plus tard, ils ont confirmé que c'était bien un infarctus en fait. Et il a été soigné, correctement. Voilà. Et après, ils l'ont soigné et le matin, nous, on a été le voir, ça allait. Et là, en fait, sur la table de chevet de mon père, j'ai vu quelque chose qui m'a sidéré. Je n'ai plus pu rien faire, je suis simplement... Je me suis retiré dans la salle de bain et j'ai pleuré. Ce que j'ai vu, c'était quelque chose qui a changé ma vie, que je ne pouvais pas imaginer. C'était pour moi complètement... impossible, quoi. Ça pouvait pas être vrai. Quel secret de famille Michael a-t-il découvert ce 12 mai 1996 à la clinique de Quincy-sous-Sénart? Comment ce mystère a-t-il été conservé pendant plus de 10 ans? C'est Eliane, sa propre mère, qui lui révèle la vérité. Désormais, Michael partage le secret de sa propre famille. Là, c'est poser la question pour moi de savoir si on devait ou pas le dire à ma sœur.
J'avais le sentiment que ce n'était pas à moi de prendre la responsabilité de révéler à Fabienne ce secret, parce que c'était plutôt à mes parents de lui dire. Et ma fille, je ne lui ai pas dit tout de suite parce qu'elle était plus fragile. Voilà. Tout de suite, je sens une tension énorme. J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose, donc soit sur l'état de mon père, qu'on ne veut pas me dire quelque chose, mais que ça se passe entre tous les trois. Voilà, entre tous les trois, pas moi. Moi, j'en reste là. Et c'est tout. Après, bah, une fois mon père sorti de l'hôpital, c'est vrai que les visites de mon frère vont s'étaler, on va moins parler. Notre relation fusionnelle avec mon frère s'arrête. Je souffrais de ne pas pouvoir en parler à ma sœur. Mais d'un autre côté, j'essayais de la préserver également. Et de toute façon, tant que mes parents n'avaient pas la volonté de révéler ce secret, je ne pouvais pas aller à l'encontre de leur volonté. Donc elles pouvaient l'interpréter comme un éloignement. Plus des sentiments, mais c'était pas vraiment ça, quoi. Condamné au silence, Michael devient l'otage de son secret durant 10 longues années. De son côté, Fabienne vit toujours dans le sud de la France avec Christophe. Au fil des années, deux autres enfants sont venus agrandir le foyer et contre toute attente, c'est un conflit entre Fabienne et sa fille aînée qui va tout bouleverser et révéler au grand jour le secret de Michael. C'est vrai qu'on traverse une période un peu compliquée, hein, comme beaucoup de parents. Donc, ma fille est en pleine adolescence. Donc forcément, ma fille se sent un petit peu le vilain petit canard de la famille. Tout va mal. Enfin, c'est vraiment très fort. Hein, donc, elle a déjà fait une fugue. Elle s'est déjà sauvée, donc me voilà la chercher dans la nuit. Mon mari était en déplacement cette fois-là, donc je ne pouvais pas laisser les enfants seuls et partir la chercher. Donc là, je suis paniquée et j'appelle donc mon frère à la rescousse en lui disant parce qu'elle est partie avec son téléphone. Donc je dis à mon frère, est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux la raisonner, s'il te plaît? Donc j'appelle aussi mon mari qui l'appelle. Mon mari, elle ne répond pas et effectivement, je ne me trompe pas, elle décroche pour mon frère. Donc, il l'appelle, il discute. Donc, je rappelle mon frère pour le remercier de l'intervention qu'il a eue auprès de ma fille, puisque ça a marché. Et là, je prends conscience que, en fait, ce secret, inconsciemment, la perturbe et perturbe ses relations avec sa fille. Et que... il est vraiment temps de lui révéler parce que ça peut conduire à des situations encore plus difficiles. C'est à ce moment-là que j'ai appelé ma mère et j'ai eu une discussion franche avec elle et elle entend mon désaccord, mon courroux, ma colère. Elle me dit qu'elle va faire quelque chose. Le 11 juillet 2008, je reçois un appel de ma mère sur mon lieu de travail. Et elle me dit, j'ai quelque chose de très grave à t'annoncer. Est-ce que tu es toute seule? Et je lui dis, non, justement, je ne suis pas toute seule. Et elle me dit, justement, c'est bien que tu sois entourée, parce que ce que je vais te dire, ça va te secouer. Je m'assois et j'attends. Et elle me dit... Tu es ma fille, mais je t'ai adoptée, chérie. Voilà. Donc, j'ai mon téléphone dans les mains. D'abord, je me mets à... Bon, après, c'est ce qu'on me raconte, hein, à mon travail. Je me mets à hurler, hurler, quoi. Je me suis mise à hurler, je me suis levée, j'ai balancé mon téléphone à travers la pièce. Je suis sortie vite, vite respirer parce que je commençais à avoir des palpitations, quoi. Je ne savais plus où j'habitais, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque à mon tour. Hein. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc tous ceux de mon travail sont sortis en se demandant ce qui se passait.
Je reçois un appel téléphonique de ses collègues, de là où elle travaillait, et qui me disent « Viens vite chercher Fabienne, ça va pas, elle fait une crise de nerfs. » Bah, et je dis « Et pourquoi c'est pas elle qui m'appelle? C'est pas son portable ?» Elle me dit « Elle a acheté son portable. » Je dis « Passez-la moi au téléphone. » Et là, elle hurle et je comprends pas ce qu'elle me dit. Elle est en sanglots, elle crie « C'est pas mes parents, c'est pas mes parents !» Je dis « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, dis-moi ce qui t'arrive. » « Ma mère m'a appelé, c'est pas ma mère, je suis adopté. » Et je la sens complètement énervée, perdue, en crise d'angoisse. Comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Mon mari, je lui dis « Viens vite me chercher », j'étais incapable de prendre la voiture, incapable de conduire, incapable de quoi que ce soit. J'avais l'impression de m'évanouir, de mourir, de partir sur ma chaise, quoi. J'ai tout de suite appelé mon frère en attendant qu'il arrive de mon bureau. J'étais toujours sur mon bureau, donc j'ai appelé mon frère en lui disant « Voilà ce que vient de me dire maman. Est-ce que c'est vrai ?» Fabienne m'appelle donc et me pose simplement cette question « Est-ce que c'est vrai ?» Voilà. Donc bien sûr, je suis soulagé parce que enfin elle sait. Elle connaît son secret, on lui a enfin dit la vérité. Et là, je lui raconte, je lui dis bien sûr, oui, je lui dis que c'est vrai. Et bien sûr, c'est terrible à entendre ce genre de révélation, mais j'accompagne ça en lui racontant mon histoire. Suspendue à son téléphone, Fabienne découvre enfin la vérité. Michael lui raconte comment 10 ans auparavant, par hasard, il a découvert le secret de ses origines. Ce jour-là, quand nous sommes allés rendre visite à mon père, sur sa table de chevet, j'avais vu une carte de groupe sanguin. Et il se trouve que je connaissais le groupe de ma mère, je connaissais mon groupe. Et j'ai des notions de génétique, donc je connais ces choses-là. Donc j'en ai déduit tout de suite que mon père ne pouvait pas être mon père biologique. C'était pas possible. Michael, qui est médecin, comprend immédiatement. Son groupe sanguin est incompatible avec celui de ses parents. Il ne peut donc pas être leur fils biologique. Donc effectivement, le choc a été assez terrible. Sur le coup, je n'y ai pas cru. Je pensais qu'il y avait une erreur. Je pensais que... Quand j'ai demandé des explications à ma mère, effectivement, elle n'a pas tout de suite dit la vérité parce que c'était trop difficile pour elle. Donc, elle a changé de version à plusieurs reprises pour finalement avouer qu'effectivement, on avait été adopté. Mais malgré ça, pendant des je n'arrivais pas à y croire. C'est simplement un non-dit de 30 ans qui est difficile à admettre, quoi. Qu'une mère, pour protéger ses enfants, en pensant les protéger, leur cache quelque chose. Fabienne a découvert qu'elle a été adoptée. Passé le choc, elle s'interroge. Qui suis-je? Qui sont mes parents? Et pourquoi ai-je été adoptée? Pour obtenir des réponses, Fabienne se tourne alors vers sa mère, Eliane. Je suis arrivée en 62 en France. Je n'avais pas d'enfant. Avec mon mari, on s'était installé et tout, et on avait décidé que notre maison, il fallait avoir des enfants dans la maison, et une maison sans enfants, c'est une maison sans soleil. J'ai été voir plusieurs gynécologues, des professeurs, tout. J'ai gaspillé un tas d'argent. Pendant 10 ans, ça a duré. Et en fin de compte, après tant de soins, aucun résultat. Mon mari s'est soigné aussi, aucun résultat. Alors nous, on a décidé d'adopter un commun accord, tous les deux. Ça a duré 3 ans. On m'a téléphoné en me disant, ça y est, votre bébé est arrivé. J'ai pensé que c'était la cigogne qui l'avait déposé. Une infirmière, elle est sortie avec un petit bébé. Et elle nous a dit, voilà, c'est votre bébé. Alors, moi, je l'ai pris tout de suite dans mes bras, à Michael.
Et il s'est accroché à moi. Et mon mari, il a eu les larmes aux yeux. Et donc, j'ai continué. Dès que j'ai eu Michael, j'ai renvoyé une autre demande pour une petite fille. J'ai attendu aussi 2 ans. Alors, je suis partie aussi la chercher. Ça s'est passé pareil. Si un jour, mes enfants, ils me posent la question, eh bien, je dirais que je vous ai choisi au milieu d'enfants dans une grande pomponnière et vous êtes les plus beaux enfants du monde pour moi. Mais je gardais quand même, tant que personne ne me posait de questions, je n'avais pas de réponse à leur donner. Je ne voyais pas pourquoi qu'à 18 ans, j'aurais rendu mon fils en lui disant « Écoute, il faut que je te dise, tu es adopté, voilà. Eh bien, peut-être que ses études, elles seraient parties en l'air. Et ma fille, peut-être, elle aurait pris, c'était l'adolescence, elle aurait pris le mauvais chemin aussi. Je ne sais pas, moi. Ça dépend comment les enfants réagissent. » Sincèrement, même si aujourd'hui, on est dans les années 2000, et que j'avais dû faire le choix que mon oncle et ma tante ont fait, il y a 30 ans, même si aujourd'hui les mentalités ont changé, je suis pas sûre d'avoir le courage d'avouer aux enfants que j'ai élevés de dire que c'est pas mes enfants. Ils avaient trop peur de faire du mal. Moi, j'essaie de me mettre à leur place. Et je sais pas si j'aurais pas fait pareil qu'eux. Si les révélations d'Eliane sont pour Fabienne une confirmation, le choc reste malgré tout d'une violence inouïe. C'est Christophe, son mari, qui va l'aider à remonter la pente. Pour la raisonner, au moment où elle était perdue, hagard, je lui ai pris sa tête dans mes mains et je l'ai regardée. Je lui ai dit, mais fondamentalement, ça ne change pas qui tu es. Fais presque, calme-toi, finalement, c'est pas si grave que ça. T'as tes enfants, t'es en bonne santé, t'as surmonté d'autres choses bien plus difficiles, c'est pas la fin du monde. Maintenant, il y a une recherche à faire, il faut savoir quoi, qu'est-ce, pourquoi, d'où ça vient. Je dis, mais calme-toi, c'est pas grave. C'est pas grave. En gros, hein, on a presque dit, t'arrêtes ton cinéma, et voilà, et on va se poser, on va en discuter, on va avancer, je serai là. Il me dit, mais t'arrêtes tout de suite d'être comme ça, il me dit, parce que ça, c'est pas toi. Et dès le lendemain, c'était fini. J'ai plus du tout, ça s'est plus du tout passé comme ça. Plus de colère, plus rien. Et il lui a pas fallu longtemps pour rebondir, pour réagir. Après, tout de suite, elle a replacé les éléments dans les éléments du puzzle. Elle les a replacés un à un et elle a commencé à reconstruire son histoire, à savoir où, quand, qu'est-ce, tous les doutes qu'elle a eus. Tout ce qui lui était passé par la tête, finalement, là, elle les remettait dans le bon ordre. J'ai pris mon calepin. D'ailleurs, je n'avais plus les numéros, donc j'ai appelé ma mère, je lui ai demandé, et elle ne voulait pas me donner les numéros, ma mère. Donc il a fallu que je cherche sur Internet les propres numéros de téléphone de toute ma famille pour les appeler et leur dire « Est-ce que vous étiez au courant ?»« Oui. » J'ai appelé mes cousines « Est-ce que vous étiez au courant ?»« Oui. » Y en a beaucoup à qui j'ai dit, parce que c'était normal, hein. J'avais... Il y avait 10 ans que j'étais mariée, j'avais rien, et puis d'un coup j'ai des bébés, d'où ça sort? Fallait bien dire la vérité. Mais ces gens-là, ils ont gardé le secret. Ils n'ont jamais rien dit. Gilles-Marie Vallet, vous êtes pédopsychiatre et psychiatre. Merci d'être là ce soir pour répondre à nos questions. La mère de Fabienne choisit de révéler cette adoption par téléphone. Comment expliquer ce choix pour une révélation aussi importante? Alors, cette révélation par téléphone peut effectivement surprendre ou paraître un peu froide. D'autres familles préfèrent effectivement faire des révélations, je dirais, en famille, on réunit la famille. De manière officielle. De manière officielle. Ça donne même un caractère un peu solennel qui souvent, d'ailleurs, alourdit encore le poids de la révélation.
Là, je pense que dans la situation de Fabienne, c'est totalement différent. C'est-à-dire que la mère a cherché à protéger le secret jusqu'au dernier moment. Et là, cette révélation intervient vraiment comme, voilà, comme quelque chose qui est une catastrophe, mais au sens fin du monde. Et du coup, cette révélation ne peut se faire que dans un colloque singulier, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir se dire, de mère à fille, ce qu'il en est, sans témoin. Durant son enfance, Michael, le frère de Fabienne, ne se doutait de rien. Comment est-ce peut expliquer qu'au sein d'une même fratrie, l'un se doute de quelque chose ou redoute quelque chose et l'autre absolument pas ? Michael, effectivement, très tôt s'est senti vraiment partie prenante de cette famille, qui a eu comme cela une reconnaissance filiale, qui d'ailleurs va donc effectivement favoriser la possibilité de ne se douter de rien. Quand Fabienne, du fait de sa sensibilité, de son caractère, d'un certain nombre d'autres éléments, et effectivement aussi des éléments, je dirais, morphologiques, qui l'amènent effectivement à douter physique. Elle est blonde, petite, elle est blonde, dans une famille de brun. Elle est... Tous ces éléments mis bout à bout alimentent ces doutes, et sans doute qu'il y a une interaction qui fait que les parents, percevant aussi ce doute, sont du coup peut-être plus inquiets, et du coup vont aussi peut-être faire plus de gaffes ou de petits manquements en multipliant des nouvelles versions qui vont être elles aussi de plus en plus confuses et vont alimenter les doutes de Fabienne. Pourquoi, à votre sens, la maman adoptive, mais la maman de Fabienne, a perpétué ce secret ? Alors, c'est probablement qu'elle a eu peur de ne pas être reconnue comme mère à la hauteur de ce qu'elle est mère. Ce qui fait qu'en ne disant pas les choses, on a le sentiment que le déni va effacer cette réalité-là et qu'on sera finalement plus parent si on ne dit rien. Ce qui, en fait, évidemment, n'est pas le cas. Je crois que tout enfant a besoin de connaître son origine pour justement pouvoir tisser des liens qui sont, qui vont être les plus solides possible. Quelques jours après avoir découvert les circonstances de son adoption, Fabienne entame des démarches pour consulter son dossier. Accompagnée de son mari Christophe, elle se rend dans les locaux de la DAS. Elle ne le sait pas encore, mais elle va faire une découverte étonnante. Je demande à Christophe, bien évidemment, de m'accompagner. Parce que, donc, on arrive en bas du conseil général. Je monte l'escalier. Bonjour, madame. Donc, j'arrive. Elle me dit, voilà, c'est avec moi que vous avez rendez-vous. Donc, on va rentrer dans ce bureau. Donc, je rentre dans ce bureau. Alors, elle m'explique. Alors, elle me met en garde sur toutes les solutions qu'il peut y avoir. Hein. Donc, soit j'ai rien, soit j'ai un peu. Soit je peux avoir peut-être une photo. Et ce qui est ahurissant, c'est que finalement, vous faites une démarche et vous avez un dossier qui explique toute votre vie qui vous attend pendant 40 ans sur une étagère, quoi. C'est presque, on le sort d'une archive, on le dépoussière et la dame le pose sur le bureau, l'ouvre et... Et je feuillette et je tombe sur un extrait de naissance et je le prends dans les mains et je découvre un nom. Et je vois... C'est hallucinant, hein, mais je vois un nom, je vois deux noms, un prénom et un... J'arrive plus à parler tellement c'était choquant. Donc je vois cet extrait date de naissance avec marqué le 22 juin 1971 à 17h et des bananes, je sais plus quoi. Née Lydija Popov. Je me suis dit, ils sont plantés de dossier, c'est quoi ce truc-là ? Donc je l'appelle, madame, là il y a un truc, je pense que c'est pas à moi. Elle me dit, si, c'est votre extrait de reconnaissance de vos parents, quand ils vous ont adopté. Je lui dis, non, je lui dis, écoutez, là c'est pas du tout ça. Effectivement, je suis bien née le 22 juin 1971, mais il y a marqué Lydija Popov, il y a mon poids de naissance, ma taille, et je dis à côté, il y a marqué Olga Popov, mère. Olga Popov, née le 26 octobre 52, je crois, à Novi Sad, ex-Yougoslavie. Là, elle devient blanche, elle tourne mon dossier, elle le regarde, elle disparaît, elle
Elle sort, elle me dit, écoutez, faut que j'aille me renseigner. Elle sort, branle-bas de combat, je vois tout le monde se remuer autour, moi je comprends rien. Et elle revient et me dit, bon écoutez, c'est très grave. Elle me dit, c'est très très grave ce qui se passe. Elle me dit, vous n'auriez jamais dû avoir ce document entre les mains, mais maintenant vous l'avez, vous avez été une enfant reconnue. Donc là je lui dis, il y a un problème, comment je peux être adoptée? Comment j'ai pu être adoptée en ayant été une enfant reconnue? En quelques secondes, Fabienne comprend l'erreur commise par les services de la DAS. Ceux-ci lui ont fourni son acte de reconnaissance officiel, signé par sa mère biologique. Contre toute attente, Fabienne découvre donc que sa mère l'a reconnue officiellement 3 mois après sa naissance. Un document qui n'aurait pas dû être porté à sa connaissance, mais qui va lui permettre de mener son enquête. Elle repart avec son dossier sous le bras, mais après, il n'y a pas d'accompagnement. Vous êtes seule face à y a votre dossier et vous. Et elle revient et elle ouvre son dossier, elle ne mange plus. Et elle feuillete son dossier jour et nuit, gauche, droite, dessous, dessus. Elle classe, elle l'organise, elle me demande de le lire, de regarder. On en discute, on passe des heures à relire, lire les documents, à mettre les choses. Alors t'es né où, quand, à quelle période, t'as été adopté quand, comment ça s'est produit, t'es arrivé chez toi quand finalement? Ouais, je fantasme, parce que je regarde un peu les éléments du dossier. Et les éléments du dossier, c'est quoi? Elle a 17 ans, elle n'a pas de papier. Elle est soi-disant en couple avec une personne. Mais une fois l'enquête faite, elle n'habite pas avec. Il la soupçonne peut-être de gagner sa vie comme elle peut. Ou en gros, qu'on lui ait supprimé ses papiers et qu'elle veuille bien faire ce qu'on lui demande de faire pour les récupérer. Hein, c'est un peu ça. Ah bah vous imaginez des choses plutôt sombres hein, quant à votre origine, hein, de par sa mère qui est mal accompagnée, qui a à peine 18 ans, qui est en France. Ce qui était indiqué, c'était limite que le type qui accompagnait sa mère voulait, contre ses charmes, récupérer de l'argent. Donc de là, on peut tout imaginer. C'est un peu glauque, c'est un peu sombre. Véronique Chauveau, vous êtes avocate, spécialiste du droit de la famille. Merci d'être venue répondre à nos questions ce soir. Peut-on dire que Fabienne n'est pas une enfant adoptable, dans le sens où la mère biologique de Fabienne a reconnu cet enfant et qu'il existe encore des zones d'ombre sur cette adoption? C'est un petit peu compliqué parce que, premièrement, elle n'a pas signé le consentement à l'adoption au départ. Ensuite, elle avait 3 mois pour se rétracter. Il semble qu'elle se soit rétractée, mais il n'est pas certain que ça soit dans les formes, parce que normalement, c'est par une lettre recommandée. Et il semble qu'ensuite, il y ait eu une saisine du procureur qui aurait pu saisir le juge pour faire autoriser l'adoption ou ordonner la restitution de l'enfant à la mère. Et manifestement, le dossier est parcellaire. Avec les mêmes éléments du dossier, comment se dérouleraient les événements aujourd'hui ? À notre époque. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, personne ne demanderait à une jeune fille de 16 ans si elle veut abandonner son enfant ou plutôt si elle veut le donner en adoption. Je pense qu'on essaierait d'abord de nouer les liens entre la mère et l'enfant, de la sécuriser pour qu'elle puisse prendre une décision sage. Deuxièmement, je pense qu'elle aurait un interprète et elle aurait surtout un conseil juridique gratuit qui pourrait lui dire, voilà, quelle est l'étendue de vos droits. Parce que manifestement, là, à la maman de Fabienne, personne ne lui a dit, madame, on refuse de vous rendre votre enfant, vous avez le droit de saisir le juge. On ne lui dit pas ça. Donc elle ne le fait pas. Oui. Qu'est-ce qu'un droit si on n'informe pas les gens de leurs droits? Pourquoi les services sociaux semblent si perturbés lorsque Fabienne découvre son dossier? Parce qu'il y a un questionnaire qui est rempli et qui est dans le dossier, où on lui dit, si cette décision devient définitive, est-ce que vous voulez le secret de la filiation? Et elle répond oui. Donc le dossier aurait dû être ce qu'on appelle anonymisé. Et il n'a pas été anonymisé. Et c'est là où justement Fabienne découvre son prénom, oui. Son nom de famille. Voilà. En même temps, c'est bien. C'est bien parce que... Mais c'est bien parce que je pense que pour elle, c'est important de mettre un nom. Et quand elle découvre son prénom, je trouve que c'est magnifique. Donc elle sait qu'elle a eu une identité choisie par sa mère, ce qui démontre bien que sa mère l'aimait, puisqu'elle lui a donné un nom. Finalement, quelle conclusion Fabienne peut-elle tirer de son dossier aujourd'hui? Qu'elle a été énormément aimée par 2 mères successives, ce qui n'est pas donné à tous les enfants.
Elle a eu une première mère qui lui a donné un nom et qui a été assez généreuse pour comprendre qu'elle n'était pas capable de l'élever et l'a confiée pour une adoption, même si elle est revenue dessus parce qu'elle était dans un état de détresse. Et ensuite, une famille magnifique qui lui a donné une identité. Bon, il y a eu cette erreur, peut-être qu'il n'aurait pas été faite aujourd'hui, de ne pas lui dire la vérité. Mais finalement, quand on l'entend parler, elle dit « ma mère » en parlant de sa mère adoptive. Et puis, je pense qu'on peut se poser la question de savoir ce que c'est que la parentalité. Ce n'est pas uniquement les liens du sang. Je pense que les liens du cœur sont au moins aussi importants que les liens du sang. Donc, il n'y a pas de primauté, pour moi, des liens du cœur sur les liens du sang ou des liens du sang sur les liens du cœur. La mère biologique de Fabienne n'a pas signé le certificat définitif d'abandon. A priori, Fabienne n'aurait donc pas dû être adoptée. Cette information capitale relance son enquête. Elle lit et relit inlassablement la cinquantaine de pages que contient son dossier. Bon, je vais quand même sur des sites, regarder. Alors je tape sur Google des nuits entières. Femme serbe, pour voir à quoi ça ressemble. Homme serbe. Je crois enfant serbe. Alors je prends des photos, non oui, parce que du coup je suis en recherche d'identité. Donc je me dis à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est. Donc là je vois qu'effectivement j'ai le physique, mes enfants. Je vois donc des images et des peintures, des représentations où mon cauchemar revient. Ces femmes avec ces fichus comme ça, là. Mais je suis en plein dedans, quoi. Je suis en plein dans la Serbie, quoi. Alors je prends peur parce que je me dis, tu l'as vécu, t'étais là. C'est quoi, t'as inventé un truc parce que tu ressentais. Donc là, ça fait peur. Je pense que ce cauchemar, c'est pas un cauchemar. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vécu. Je pense que j'ai vraiment été, à un moment donné, petite comme je l'étais, au milieu de ces trois femmes, c'est sûr et certain. J'étais déjà persuadée d'être quelqu'un de bizarre, enfin de particulier, de pas normal, enfin différent. Mais là, j'en étais sûre, et je m'y attendais même à ça presque. Je me dis, mais c'est juste énorme. Fabienne entame alors des recherches avec les quelques éléments qui figurent dans son dossier. Très vite, elle découvre l'adresse d'un homme qui aurait hébergé sa mère à Lyon, il y a plus de 40 ans. J'appelle, je tombe sur un monsieur en plus, là je sais que c'est gagné, qui parle pas français, qui est âgé. Il me comprend pas, et je me dis qu'est-ce que je peux lui sortir pour que ça l'interpelle, quoi. Et je lui sors, le seul truc que je peux lui dire, je lui dis Olga Popov. Et là, un blanc, et il raccroche. Tous les soirs j'appelle, je m'en fiche, je suis horrible, hein, tous les soirs je les appelle, je les embête tous les soirs. Je tombe enfin sur quelqu'un, une voix française, jeune, j'ai dit oui, alors je me présente, bonsoir. Je m'appelle Lydia Popov, ça peut vous sembler étrange. Voilà, j'ai vu mon dossier, je suis d'origine serbe. Vos parents ont hébergé ma mère biologique. Alors elle parle hein, en serbe avec son père, hein. Je sais qu'après que c'est son père. Et puis il lâche le morceau, elle me dit oui, effectivement. Votre maman a bien résidé ici lorsqu'elle était enceinte de vous. Elle me dit, je me souviens très bien de cette femme. Alors je dis, bah, décrivez-la à moi, s'il vous plaît, dites-moi des choses. Et elle me dit, c'est une grande femme, blonde, les cheveux ondulés, les yeux bleus. Au bout d'un moment, je lui demande quand même à ce monsieur, je lui dis, écoutez, il faudrait que vous rentriez en contact avec ma mère biologique, je sais pas, débrouillez-vous n'importe comment. Je suis sûre que vous avez toujours des contacts avec elle, c'est pas possible. Surtout que lui me dit, elle est retournée là-bas. Elle me dit, je vais essayer de me renseigner. Je dis, vous me dites que la communauté serbe est une communauté très unie. Vous allez forcément pouvoir trouver quelque chose sur place. D'accord, je vais m'en occuper. On reste là-dessus. Et elle m'a pas rappelé, donc j'en suis là. L'enquête de Fabienne s'arrête malgré elle. La trace d'Olga Popov, sa mère biologique, disparaît avec la mort de Stanislas, l'homme qui l'a hébergée il y a 40 ans. Pourtant,
Fabienne ne perd pas espoir. Elle est plus que jamais prête à rencontrer celle qui l'a mise au monde. Ma mère me soutient absolument. Elle est un peu inquiète, comme à chaque fois, en pensant que l'amour va peut-être disparaître. Si j'en retrouve une autre, alors je lui dis que je ne retrouverai pas une autre. J'en ai qu'une. Je ne l'appellerai pas maman. La seule que j'appellerai maman, ce sera toi. Et mais non, au final, elle est contente. Et puis, non, elle est contente, elle me soutient. Et puis, elle se prend même au jeu parce qu'elle me dit « Ah là là, mais russe quand même, enfin serbe. » Elle me dit, mais j'aurais été sûre. Elle me dit, t'as vu tes enfants. Donc à la fin, on en rigole presque. Et voilà, maintenant, elle a qu'une envie, c'est que je trouve. Parce que maintenant, ce qui l'angoisse, au début, elle avait peut-être peur que je cherche, mais maintenant, ce qui l'angoisse, et maintenant que c'est fait, c'est que je trouve pas. Donc j'espère que je la retrouverai. Depuis le tournage de ce film, notre équipe a poursuivi son enquête pour retrouver la trace d'Olga, la mère biologique de Fabienne. Notre persévérance a fini par payer. Il y a quelques jours, nous sommes parvenus à localiser Olga. Pour ses retrouvailles, Fabienne nous a autorisés à l'accompagner, direction Novi Sad, en Serbie. Regardez. Belgrade, capitale de la Serbie, lundi 16 janvier. Dans quelques heures, Fabienne va retrouver sa mère, qui a souhaité nouer le contact avec elle. Avant de prendre la route, Fabienne tient à acheter un bouquet de fleurs. Le premier cadeau qu'elle souhaite offrir à sa mère. Là, je suis en train d'acheter des fleurs pour arriver chez ma mère. Je le stresse. On des soins Ça, c'est Kale, c'est des fleurs blanches. Je suis très tendue, très, très, très tendue. Au bord des larmes, là, tu vois. Ça avance. J'avais dit que je pleurerais. Ça devient concret d'acheter quelque chose. Là, je me rends compte que je vais la rencontrer là. Même si je le savais, mais là, c'est horrible. J'ai peur. Quelques minutes plus tard, notre minibus file en direction de Novi Sad, à 80 km de Belgrade. C'est dans cette petite ville de province, située sur les bords du Danube, que réside la mère biologique de Fabienne. Je suis très tendue. Très pressée, très tendue. Très à fleur de peau. Je sens que ça va basculer dans peu de temps. Pour ses retrouvailles, Fabienne, qui ne parle pas serbe, est accompagnée par Vukica, notre traductrice. Je rentre. Non, mais j'ai peur. La maison d'Olga, la mère de Fabienne, est située à quelques mètres, juste au bout de ce passage. Hein ? Je frappe. Je comprends pas ce qu'ils ont dit. Je rentre. Oh la vache. Oh, c'est la même. Oh putain.
Tiens, bon. Cynthia. Bon. On se ressemble vachement, en fait. Ça va? Elle comprend un peu le français. Elle ne parle pas, mais elle comprend. On se ressemble, hein? Fabienne découvre le visage d'Olga Popov, sa mère biologique, mais aussi celui d'un homme. Il s'appelle Tomika. C'est son père. Alors ça, c'est pour... T'as mis quoi? Hein? Voilà. Pour you, comme on dit du café. Café. Et café. Et café. Je peux lui parler? Bizarre. Elle a dit je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de mots. Les mots sont super. Il n'y a rien à dire. On se ressemble vachement. Bizarre. Ouais, ouais. C'est fini maintenant. C'est fini. Toute ma vie, je ne fais que penser à toi. Je n'ai jamais voulu avoir d'autres enfants à cause de ça. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Non, tu n'aimes pas sœur, tu n'aimes pas frère. Non. Non, je suis fille unique. Non, quand ça m'a eu, je n'ai pas de frère. Comme j'ai senti que j'étais perdue en quelque sorte, je ne voulais pas avoir d'autres enfants. Quelques instants plus tard, tous se retrouvent dans la maison d'Olga. Passé l'émotion, vient maintenant le temps des présentations et des questions. Donc j'ai eu deux maris, une première union où j'ai eu cette grande fille qui a 17 ans. Yeah, elle est très jolie. Et après, il y a mon garçon, Elon, qui a 7 ans. Tout le monde, tous, ils sont tous beaux. C'est sur les perles, il y en a un à l'autre. Ah oui, bah oui, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux, mais c'est toi la plus belle, dit maman. Ah, merci. maman. Ça, c'est les mamans, hein. Alors, moi j'avais une petite question, donc comme on dit, maman. Bon, la première, la plus importante, c'est déjà pourquoi j'ai été abandonnée. Parce que nous étions très pauvres. À l'époque, ma mère était gravement malade. Ton père ne pouvait pas te garder. Chez lui, il y avait déjà 5 petits frères dont il devait s'occuper. J'étais désemparée, je ne savais pas quoi faire. Et je ne voulais pas avorter. Est-ce que tu étais au courant, dès le début, que tu allais avoir une fille? Est-ce que dès que Olga est tombée enceinte, elle t'a dit tout de suite qu'elle était enceinte? Oui, je le savais. J'étais au courant qu'elle était enceinte. J'ai aussi appris la nouvelle de ta naissance. Pourquoi t'as choisi la France pour venir accoucher? Par quel pays t'es passé? Comment t'as fait? À l'époque, j'avais des amis qui n'étaient pas très fréquentables. C'était des voisins. Ils franchissaient la frontière régulièrement. J'ai demandé l'autorisation de me joindre à eux. Ils m'ont dit oui. Mais j'ai dû payer un passeur pour rejoindre la France. En 1971, dans la Yougoslavie du maréchal Tito, la jeune Olga, à peine âgée de 19 ans, refuse d'avorter. Alors, pour donner naissance à Fabienne, elle entame un incroyable périple clandestin jusqu'à Lyon, où elle sera hébergée jusqu'à la naissance de l'enfant. J'ai un papier qui dit que dès le jour de l'accouchement, donc de ton accouchement en fait, j'ai été abandonnée immédiatement le 22 juin et confiée à l'offre des pupilles de la Nation le 30 juin. À l'hôpital, ils m'ont demandé si je souhaitais t'abandonner pour qu'ils puissent changer ton prénom.
En acceptant, cela permettait à Fabienne d'être adoptée. Mais j'ai dit non, car je ne voulais pas l'abandonner. Les questions s'enchaînent, mais les circonstances exactes de l'abandon de Fabienne restent troubles. Selon Olga, c'est le décès de sa propre mère qui l'aurait obligée à rentrer précipitamment en Yougoslavie. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, Fabienne goûte chaque instant de ce bonheur retrouvé. Dans les rues de Novi Sad, elle s'accorde quelques pas avec son père et sa mère biologique. Des parents dont elle ne connaissait pas les visages il y a quelques heures encore. Tu me dis si j'ai tout le monde dans le cadre ? Mais sérieux, hein ? Autre moment d'émotion, l'arrivée de sa tante, Radmila, la sœur d'Olga. C'est qui ça? C'était elle quand elle t'a mis au monde. Oh la bombe! Je vais la prendre en photo. Le temps a filé à une vitesse vertigineuse. Dernière photo, avant de quitter une famille que Fabienne vient tout juste de découvrir. Au revoir, maman. D'abord, je t'ai prévu de voler ton âge sur la statue. Je te voudrais te voir le plus tôt possible. Je t'aime le plus au monde. Avril. Je t'ai toujours aimé. Ou avril, ou bien c'est évidemment. À bientôt. Et plein de bonnes choses. Et puis au mois d'avril, je reviens et on s'appelle ce soir. Je t'ai reçu ton téléphone, mais au avril, tu me suis vidé. Demain et plein de jours. Et sutra, tu te vois. Promis. Ok. Faut pas pleurer. Oh là là. Allez. Je reviens, c'est sûr. Allez, d'autres, tu m'as avec moi, d'autres. Oh, oui, attention. Je reviens, hein, c'est sûr. C'est promis. Voilà, tout ce que c'est, parce que c'est m'embête, tiens, là. Tu vois, tu c'est vrai, c'est avec tout le monde. C'est un beau jour aujourd'hui. Non, c'est les dames, les petites dames. C'est un beau jour. C'est ça. Je dis ça, mais moi je vais pleurer dans 5 minutes. Je ne veux pas la voir partir, ça me fait trop mal. C'est trop difficile. Je préfère m'en aller. Dépêche-toi, dépêche-toi, pars vite maintenant. Pars vite, il vaut mieux qu'il te parte tout de suite. Là. Prenez bien soin d'elle. Allez-y. Allez-y, sauvez-vous. Fabienne ne se retournera pas. Cette nouvelle séparation est trop douloureuse. Elle a prévu de retrouver ses parents biologiques, Olga et Tomiko, dans quelques semaines au mois d'avril. En attendant, les deux femmes se parlent chaque jour au téléphone.